Claude, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne ta scierie là? J'ai filmé un banc de scie là, c'est rare de voir des bancs de scie comme ça où la scie est horizontale là. Ça fait. T'es le seul à voir ça dans le coin là? Non, il en reste quelques-uns. Et c'est quoi la différence entre cette façon de scier puis des scies verticales alors? Ben disons que la scie horizontale, ça permet, on peut travailler seul sur la machine. Parce qu'on peut D'accord. récupérer, on peut récupérer le produit en sortie de siage. Hein. Ouais. Dès qu'on a fini de scier notre produit, de faire notre fil, comme on dit, on peut récupérer le produit qui reste toujours posé sur le bois, tandis qu'en vertical, il faut être équipé de trains de rouleaux. Hein. Quand D'accord. le produit tombe en vertical, il tombe, hein. De toute façon, il tombe sur des rouleaux et puis il a acheminé D'accord. à l'empilage un peu plus loin, quoi. Ok, Voilà. donc là, Donc ça nécessite d'avoir du personnel en parce vertical. que toi, là, du coup, tu es tout seul, là, tu. Voilà, moi je suis tout seul. Et là, ce que je t'ai filmé en train de scier, ça devait être du résineux, non, ce que tu Du sciais, là? résineux, oui, des billons Donc ça, c'est quoi? C'est un particulier qui t'a amené du Voilà, bois c'est pour un le faire scier? particulier, oui. Donc c'est ce que tu fais principalement? Non, 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 ça c'est vraiment. Les particuliers, ça représente 10%, à peine entre 5 et 10% de mon chiffre d'affaires. Je dirais 5%. C'est quoi le reste? Alors c'est qui Le t'achète? reste, moi, j'achète particulièrement du chêne, des bits de la traverse, un peu de charpente. Qui c'est qui te la reprend alors? C'est des collectionneurs qui me les reprennent pour D'accord. dispatcher dans sur toute l'île de France, la D'accord. Bretagne, dans toute la France, quoi. Donc c'est principalement du chêne alors que tu scies. Je fais beaucoup de traverse paysagère, D'accord. charpente sur liste, chêne. D'accord, ouais, parce que c'est ce que la particularité ici, c'est que tu fais sur commande, quoi. C'est jamais pareil, là. Tu Ah sais oui, jamais. j'achète mes bois, mais je fais sur commande. Après, on te dit, je veux tel type de bois, tel type de section, puis il Voilà, faut c'est ça. faire, quoi. C'est pratiquement tout sur commande. Moi, j'ai pas de stock. Et il y a des. Tu fournis des artisans aussi, des Ça menuisiers, arrive, quelques petits des. artisans, ça arrive de me fournir en travers des paysagistes. D'accord. Les traverses, c'est quoi? Ça sert à faire les. Tu me Ben, les parles de traverses, traverses, là? Ça sert à quoi? elle est de section en général de 10 par 20, 10, 20, 12, 20. Ouais. Ça sert à faire des entourages, ça sert à faire de la marque d'escalier, ça sert D'accord. à faire aussi du piquet, des petits murets pour retenir la terre. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu tiens la scierie, là, alors? La scierie, depuis 1994 que je suis ici. Et donc ça fait un moment que tu es dans le bois, quoi, que Ah tu oui, travailles le je bois. travaille dans le bois. Moi, j'ai commencé à travailler avec mon père en 1975, quoi. D'accord. Donc c'est dans la famille, alors, Ah le bois, quoi. oui, je suis la troisième génération dans la Ok. scierie. Je ne fais pas d'exploitation, hein. J'achète D'accord. en bordure de route. D'accord. Et sinon, tu y vas en forêt pour autre chose, quoi. C'est un milieu que tu connais bien, la Ah forêt oui, ou... bah la forêt, moi je vais me balader assez souvent en forêt, je suis un petit peu ce qui se passe au niveau de l'exploitation, D'accord. Ouais. je Tu suis quand même bien, ouais. d'accord. Tu t'en tiens pas que juste à la scierie, quoi. Tu vois. Oui, Parce que tout à fait. les bois, les arbres, ils viennent des alentours, quand même, là. Oui, en général, là, ils viennent, de toute façon, c'est des bois qui viennent du Doubs, peut-être un petit peu du Jura. Enfin, j'ai des bois des fois qui viennent de Côte d'Or, donc tout dépend où ils exploitent. Hein. J'achète la qualité traverse, quoi, et charpente. D'accord. Et donc tu m'as dit que tu étais plutôt bientôt en fin de carrière plutôt qu'au début. Comment tu vois, toi, ton métier Mon métier, il est en voie de disparition. Il reste très très peu de petites scieries, hein, au profit des grosses unités. C'est bien dommage. D'accord. Mais je pense que j'espère qu'il y a des jeunes courageux qui puissent recréer des petites unités, hein, pour pouvoir D'accord. subvenir aux besoins des particuliers, parce que sinon ça va Ouais. poser problème. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de demandes au niveau des bois scolytés. Hein. Il y a beaucoup de particuliers qui Il y veulent a faire beaucoup scier de particuliers qui leurs demandent pour essayer arbres. de sauver une partie de leur bois. Hein. Et Faut puis ils bien ont. les vendre à l'euro symbolique. Ouais. Tiens à l'eau 30 mètres cubes, là, Pour un un particulier, quoi. particulier. Et donc là, tu l'as fait quoi? Des planches, J'ai fait des des. plans, des chevrons, du lambris, un peu de tout, D'accord. quoi. Ouais. Ok.
type de petite scierie est pour le moment a plutôt tendance à disparaître plutôt qu'à être créée. Très peu. D'ailleurs, moi, les scieries où il y a une seule personne comme moi, je n'en connais pas d'autres. Ouais, d'accord. C'est le dernier. Du moins dans le Doubs. Hein. C'est le dernier des Mohicans, alors là. Je pense. Ok. Et comment, plus généralement, tu vois l'avenir des forêts, là, parce que depuis quelques années, il y a beaucoup de secs, comme tu dis, des scolytes, les résineux. Comment, toi, tu la vois, la forêt d'ici, quoi, celle que tu connais? Bon, peut-être qu'on arrivera peut-être plus à préserver le feuillu, mais le résineux, il y aura des problèmes d'approvisionnement. Je ne sais pas où les scieurs vont trouver le bois, hormis peut-être le houdoux. Le houdoux, il y a du bois de diamètre. Hein, d'accord. Qui sera peut-être, qui tiendra un peu plus le coup. Mais ici en plaine, moi je dis que la forêt va disparaître. Hein. Je dirais qu'il y a quelques décennies, hein, même plus, je dirais, il y a un demi-siècle, les prés, il y en avait trop. C'était planté, tout ce qui est en lisère de prés, on a planté en résineux. Ouais, maintenant, ouais. Ça va redevenir l'inverse, c'est la forêt en train de mourir. D'accord, c'est les résineux qui sont en train de disparaître, quoi. Tout à fait. Les feuillus, ils tiennent, il y a encore des feuillus. Je pense que le résineux, là, en plaine, va disparaître totalement. Okay. Au profit de quoi, je ne sais pas. S'il n'y a pas de paysans pour mettre des vaches, ça va être de la friche, quoi. Le terrain est convoité. Hein. Ouais. Je vois ici, on a deux agriculteurs. Ils ont coupé des petits bosquets de sapins qui étaient secs. Ils les remettent en pré. Hein. D'ailleurs, il y a un petit bosquet là, qui fait bien pas loin de 40-50 ans, là, un peu plus bas, là, il va être mis en pré. D'accord. Ici, là-bas, je crois qu'apparemment, ce que j'ai dû comprendre, qu'il a dû récupérer au moins 3 hectares. Ouais, donc c'est fini de replanter, quoi. Les paysans, ils préfèrent retrouver un peu de pâture. Voilà, parce que replanter, ça fait peur quand même, replanter et puis que ça... Ok. Ça soit la même, le même problème, quoi, la scolite. Il n'y a pas que l'épicéa, l'épicéa, après c'est le sapin, le Douglas aussi, je crois. Hein, d'accord. Comme on dit, venir l'autre, se fait manger. Ouais. Donc le feuillu, quoi, principalement dans le coin. Les hêtres, je crois que c'est une autre maladie. Hein, ils se font attaquer aussi, les hêtres. Oui, les hêtres. On va dire ça. Aussi, hein, les hêtres, d'accord. Le chêne, il n'y a que le chêne, je pense qu'il pourra survivre. Quoi. D'accord. Les forêts vont être claires, alors, si je t'entends bien. On a tellement coupé, là, au profit des... Hein, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur la Chine. Là, pour l'instant, ils sont en train de... Ils font leur forêt, tout doucement. Ouais. Les Chinois, un jour, ils ne viendront plus. D'accord. Et là, aujourd'hui, toutes les fabriques de meubles ont pratiquement toutes disparu. Ça part principalement en Asie. Mais un jour, j'espère que ça reviendra. Que les usines de meubles, les fabriques de meubles verront le jour. Ok. Qui pourront utiliser le bois de nos forêts. Bon, on en revient toujours à la même chanson. En France, on a un coût de. Le coût du travail est toujours trop élevé, au profit des Asiatiques, hein, qui travaillent pour 3, 4, 5 fois moins. Mmh. Quand vous voyez que... Donc ça veut dire quoi pour toi que les arbres ils partent là-bas, quoi, ils sont transformés là-bas, quoi. Moi, il y a 5 ans en arrière, des fabricants de parquets là, locaux sur la Haute-Saône, hein, qui disaient que eux ils fabriquaient du parquet à tel prix, encore en essayant de tirer au maximum. Le chêne part en Asie, hein, il est transformé en parquet, il revient en France. D'accord. Et il est vendu 20 à 30% encore en dessous de ce qu'eux sont capables de le fabriquer. Quoi. Ah ouais. Voilà. D'accord. Alors, à partir de ça... C'est compliqué, quoi, c'est après. C'est compliqué, et puis il n'y a plus qu'à s'incliner. Quoi. Ah ouais. Voilà. Bon, ben, Claude, je te remercie d'avoir bien voulu participer. Ouais. Et puis, charge de revanche, hein, quand je repasse dans le coin... Ben... Oui.